tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration d'un poinsettia au pastel sec pour vous souhaiter de très très joyeuses fêtes de fin d'année et aussi pour vous remercier pour votre présence sur ma chaîne YouTube pendant cette année 2021. J'adore les poinsettia, pour moi c'est vraiment la plante qui représente Noël et c'est aussi l'occasion idéale de travailler les rouges. C'est une famille de couleurs qu'on aime beaucoup en général parce que les pastels rouges sont particulièrement vifs, mais on n'a pas tant que ça l'occasion de les utiliser, du moins pas autant que sur un sujet vraiment bien bien rouge comme cette très jolie plante. Mais vous pouvez voir que je n'ai pas commencé par les feuilles les plus rouges, j'ai préféré commencer par le feuillage sous-jacent, qui est d'un vert très sombre, très désaturé, que je trouve également d'ailleurs magnifique. Ce contraste entre les feuilles si vives du dessus et ces verts sombres que l'on peut observer dans la partie inférieure du feuillage. Il y a même certaines feuilles qui étaient noires violacées avec des reflets rouges comme celles que je suis en train de travailler. Et je trouve que c'est particulièrement irrésistible quand on fait du pastel sec ou je pense même dans toute autre technique artistique. Alors vous avez pu voir en introduction mes très très jolis coffrets de pastels Unisson. Et je les ai filmés, je me suis fait un peu plaisir parce que je les trouve tellement beaux que je me dis ça fait toujours plaisir de voir du beau matériel. Mais je voulais vous dire quand même qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de pastels pour faire de très jolis tableaux. C'est juste que... Puisque je les ai, j'aime beaucoup les utiliser. Mais en tout cas, pour en profiter, pour vous donner quelques conseils pour travailler la famille des rouges, eh bien, sachez que, pour ma part, j'aime beaucoup commencer par des rouges assez sombres et désaturés. Et en fait, je vais vraiment garder mes rouges les plus vifs et intenses pour plutôt la fin de la création de la feuille, pour donner vraiment les petits rayons de couleurs qui vont attirer l'œil et qui vont apporter de la vie à ce tableau. Mais il n'y a aucune obligation de ne garder que des rouges d'ailleurs dans la création de ce feuillage. Si vous observez bien cette démonstration, vous verrez utiliser des violets, des bleus, différents rouges bien sûr, mais il y aura aussi de l'orange et parfois même des touches de vert, qui est la couleur complémentaire du rouge. Au sein même d'une feuille rouge, hein, je ne parle pas du feuillage vert qui se trouve en dessous. Mais vous me verrez d'ailleurs aussi utiliser du rouge dans les feuilles vertes, parce que en général ça fonctionne très bien et puis ça crée une harmonie parce que on va retrouver certaines couleurs communes aux différentes zones de ce tableau. Le papier que j'utilise sur ce tableau est une feuille de papier Canson Mi-Teinte Touch, ce qui change de mes habitudes puisque je travaille en général plutôt sur pastel mat. Alors là, je n'avais pas la couleur de pastel mat que je souhaitais et j'avais ce gris assez moyen de Canson. Et du coup, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de me servir de ce papier. Alors, si jamais vous n'aviez pas vu mon test le concernant, vous avez le lien qui s'affiche si ça vous intéresse. Pour vous en dire juste un petit peu plus rapidement sur les différences avec le pastel mat, c'est un papier micro-abrasif, tout comme le pastel mat. Il est caractérisé donc par une facilité de superposition des différents pastels.
C'est pas un papier qui va saturer facilement. C'est aussi un papier qui va nous permettre de faire ressortir les couleurs beaucoup plus que sur du papier à grains classique. Et aussi, par rapport au pastel mat, il a quand même un défaut qui est, je trouve, assez important, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup plus poussiéreux. Enfin, du moins, il rend les pastels beaucoup plus poussiéreux. À la verticale, je suis pas sûre que ça se voit très bien la vidéo, mais moi, je peux vous dire qu'il y a une quantité de poudre qui est tombée. Parce que je pense qu'il a un petit peu moins d'accroche quand même que le pastel mat. Mais en contrepartie, ça lui donne aussi un avantage qui est très intéressant, c'est que l'estompe est nettement facilitée par rapport au pastel mat. C'est-à-dire que là où sur pastel mat, vous devez avoir quand même une assez bonne quantité de pigments sur le papier pour pouvoir vraiment estomper confortablement, faire bouger les pigments comme vous voulez, etc. Sur ce papier-là, par contre, même avec la première couche de pigments, vous pouvez estomper sans souci. Donc voilà, bon, chacun a ses forces et ses faiblesses. Après, je trouve que c'est pas mal d'en essayer plusieurs de toute façon de papier pour pastel, comme ça on peut adapter nos choix à ce qu'on a envie de peindre et aussi à notre façon de peindre habituelle. Sur ce genre de composition, on a des feuilles qui se chevauchent. Et le problème, c'est que lorsque le feuillage est de couleur homogène, donc lorsqu'une feuille rouge passe par-dessus une autre feuille rouge, eh bien cela peut créer un effet de masse uniforme. Et en d'autres termes, on peut ne pas réussir à bien distinguer la feuille supérieure de la feuille inférieure. Donc mon conseil pour ça, c'est de ne pas oublier d'ajouter l'ombre portée des feuilles. Et même, je dirais, ne pas hésiter à faire cette ombre, même si vous ne la distinguez pas énormément sur votre modèle, parce que pour le bien de votre tableau, ça fait partie des décisions qui pourraient grandement l'améliorer. Et aussi, ce que vous pouvez faire, et ce que vous me voyez faire à plusieurs reprises dans ce tableau, c'est avec un crayon pastel, parce que vous allez pouvoir ainsi profiter de sa précision. Reprendre les bordures des feuilles qui viennent passer par-dessus les autres. Donc l'idée c'est de choisir un crayon plus clair et à ce moment-là vous allez faire une sorte de bordure plus lumineuse qui va vous aider là encore à détacher vraiment chaque feuille. Toujours pour gagner du réalisme et du relief, pensez bien à la source de la lumière sur votre sujet. Dans quelle direction la lumière vient-elle envelopper votre sujet que vous travaillez d'après photo ou, comme moi avec ce tableau, d'après nature? C'est la direction de la lumière qui va créer différentes zones d'ombre et de lumière sur le sujet. Et quand on peint des végétaux, comme le cas de ce poinsettia, on va pouvoir observer différentes zones au sein d'une même feuille. Bien souvent, on va avoir la moitié d'une feuille plus lumineuse que l'autre.
Et c'est bien aussi de prêter attention à la zone de la nervure centrale. Parce qu'à cet endroit-là, souvent, on a une bonne opportunité de mettre en valeur ce relief, parce que vous pourrez constater souvent que d'un côté de la nervure, c'est très foncé, et de l'autre côté, c'est plus clair. Donc si vous repérez ces petites zones et que vous les exacerbez un petit peu, ça peut vous faire gagner beaucoup dans l'esthétique et dans le ressenti du volume de la feuille que vous peignez. Si vous aimez le pastel sec, si vous avez envie d'apprendre, mais que vous ne savez pas forcément par où commencer, ou si vous avez déjà des petites bases, mais que vous n'avez jamais vraiment pris le temps de les apprendre correctement et de manière approfondie, je vous rappelle que mon programme Tendre Pastel est enfin sorti. C'est une formation sous forme de vidéo. Elle est prévue pour durer 10 semaines, mais en vérité, vous pouvez la suivre à votre rythme puisque vous avez accès à vie à cette formation. Vous pouvez regarder les différentes vidéos et pratiquer les exercices autant de fois que vous le souhaitez. Et vous avez le lien qui s'affiche en ce moment si cette formation vous intéresse. Ce sera certainement la dernière vidéo de l'année pour moi. Je vous retrouve donc l'année prochaine pour de nouveaux tutoriels, de nouveaux directs, de nouvelles séances en plein air aussi, quand les beaux jours seront de retour. J'ai très très hâte et je me réjouis beaucoup de partager encore de très bons moments avec vous. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos encouragements. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année qui s'apprête à commencer au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que d'ici là, vous passerez de très très bonnes fêtes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut !